Bonjour, je me présente. Mon nom est Carole Ricard. Je suis la coordonnatrice de la bouffe additionnelle à Huntingdon. La bouffe additionnelle est un service de première ligne qui répond aux besoins des personnes et les familles vulnérables depuis le 15 juin 1990. L'année dernière, on a remis environ 55 000 kilos de denrées alimentaires, qui représentent environ 12 500 sacs d'épicerie. Fait qu'on touche environ 5% de la population de la MRC. Actuellement, il n'existe aucun service d'accompagnement pour les personnes vulnérables dans le Haut-Saint-Laurent. Ce projet sera complémentaire au service déjà offert par le projet SORA. C'est le service d'accueil, évaluation et référence. En effet, selon les études concernant l'intervention en contexte de la pauvreté, il est prouvé que le dépannage alimentaire est la porte d'entrée des services pour les personnes vulnérables. Le financement demandé nous permettrait d'embaucher un intervenant qualifié qui serait disponible pour les deux points de service existants dans le Haut-Saint-Laurent. Ça se trouve à être la bouffe additionnelle à Huntingdon, puis le centre multiservice Un coin chez nous à Saint-Chrysostome. Le projet Aider pour s'entraider aurait donc un accès direct à la clientèle visée et serait à même de faire l'inventaire des besoins et d'offrir la possibilité aux personnes vulnérables d'avoir un soutien pour faire un changement durable et développer un projet de vie. Notre but est de développer un service d'accompagnement individualisé pour les personnes et les familles vulnérables et de les guider à faire de meilleurs choix qui permettraient d'améliorer leur situation actuelle ainsi que les perspectives pour l'avenir. La philosophie de ce projet est de favoriser l'empowerment et de renforcer le filet de sécurité sociale autour des personnes vulnérables. Notre mandat ne devrait pas seulement comprendre de les conscientiser, mais de les accompagner dans leur démarche. Nous avons pu constater que plusieurs personnes et familles vulnérables qui se présentent à notre organisme n'ont pas la capacité de se débrouiller, ni de comprendre et de faire les bons choix. Les services ne sont pas toujours utilisés et les étapes nécessaires ne sont pas toujours entreprises pour améliorer leur situation actuelle. L'ajout d'un système de suivi et d'accompagnement serait tout à fait bénéfique auprès de nos clients. Notre situation actuelle ne nous permet pas d'accompagner les clients dans leur démarche ni de faire un suivi plus complet de leur situation. Merci.